Hello, hello, bonjour dans ce vlog spécial avec mon neveu. Dayon. On a joué à Brawl Stars tout à l'heure, c'est les vacances, on s'amuse bien, tu t'amuses bien? Oui. On est où là? En Alsace, Gare du Vivert. Voilà, chez mes beaux-parents, du coup on passe Noël avec Dayan. Et Dayan, je vais te montrer des vidéos de mon voyage avec mon papa, à l'époque, donc ton grand-père. Ok? Voilà, tu voulais le revoir et tout, donc je pense que c'est une bonne occasion. L'idée de cet épisode de vlog, c'est de vous montrer des vidéos que j'ai réalisées à l'époque pour vous faire réfléchir au fait que c'est important, je pense, de faire des vidéos, non seulement pour ce qu'on veut apporter, mais aussi pour des souvenirs. C'est cool d'avoir des vidéos à voir. En plus, j'ai des vidéos bonus, tu verras après. Et aussi de vous montrer que ça peut être des vidéos très simples, filmées avec un iPhone. Et qu'on peut apporter aussi de la valeur. Là, on espère que ça va vous plaire. Quoi, toi, tu sais pas encore ce que c'est, mais voilà, peut-être ça va vous plaire, ça va vous faire passer un bon moment. Donc, on peut tous apporter de la valeur. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ces vidéos un peu light. Ok, on y va. On va sur YouTube. D'accord. Alors, on est sur une deuxième chaîne YouTube personnelle que j'ai créée. En fait, je vais montrer quelques vidéos. Ok, on va passer tout un peu en revue. C'était en 2013. J'étais en Chine, à Taïwan plus précisément. Voilà, Bubble Tea saison 2. Donc là, c'est en train d'enregistrer un Dayan. Là, ce qu'on dit, là, les On est commentaires, c'est mercredi. Je suis enregistré. arrivé samedi et c'est la première fois que je bois mon Bubble Tea. Tu connais les Bubble Tea? Alors voilà, dans cette vidéo, je voudrais Je raconter parle la bouche pleine. un peu mes impressions sur Taïwan. Alors, c'est pas la première fois que je viens. Si t'as pas vu les autres vidéos, tu peux aller sur Qu'est-ce qu'il y a? taïwan.com. Ok, alors ça dure 13 minutes. On va peut-être pas regarder les 13 minutes. Assis 10 minutes devant pour regarder. Regarde ma coupe de cheveux. Regarde, c'est un pic. Qu'est-ce que je voudrais partager? On va à Taïwan ensemble. Okay. Okay. En Chine, c'est sûr. Taïwan, c'est à côté de la Chine, donc on verra. Beaucoup d'humidité, c'est vraiment pas. Là, c'est un centre commercial. Allez, on va voir ça. Ok. C'est mon personnage. Regarde, là, regarde, on est là, là, avec l'ascenseur. Il est en train de descendre. Et il descend, on a 300 mètres. 270 mètres, tu vois, il descend là. On était tout en haut avec mon personnage. Donc, c'est l'ascenseur le plus rapide du monde. Ça, c'est le nombre d'étages, ouais. Exactement. Ça, c'est le nombre de sommets. Donc nous on était tout en haut, c'était cool. J'espère que ça va être bien. Et donc voilà, en quoi? En 40 secondes. En 40 secondes, on a acheté tout ça comme étage. En 44 secondes. Là c'était en Chine, ça c'est à Beijing. Sur la place Tiananmen. Et pour tout vous dire, je suis un peu mal à l'aise. On a été pris en photo tout à l'heure avec Portrait de Mao. C'était la première fois que j'allais à Beijing, en fait, on passait juste un jour pour une escale. Il y a longtemps, il y avait des gens qui... Allez, on a vu la prochaine vidéo. Regarde ça, c'est trop cool. C'est quoi ton avis? Ça, c'est à Taïwan, en fait. Encore. Non, c'est peut-être pas à Taïwan, c'est peut-être à Beijing. C'est qui? Les gars, c'est qui? C'est toi? Mais non, c'est pas moi, ah, c'est vieillère. Trop drôle. Petite visite de Panchao qu'on appelle le nouveau Taipei. C'est un nouveau Taïwan. Ici, ça paraît très insalubre, limite populaire. C'est pas bizarre comment je parle. Et c'est pas tellement une question de richesse. Fait des photos, je pense que c'est simplement un manque de rénovation. Et pas du tout dans. Comme dans la situation de Shanghai. Où il y a une réelle inégalité économique. On a commencé la journée avec une soupe de ravioli chinoise, c'était très bon et pas cher. Puis on allait à l'église, c'était dimanche donc. Alors on est arrivé un petit peu tard. Puis on a été invité à manger, c'était super bon. Donc là c'était mon père qui tape la discute. Alors, je peux pas décrire ce que j'ai mangé, il y avait un peu tout. Mais c'est fou comment une nourriture simple chez les Taïwanais puisse être aussi bonne, c'est dingue. Puis on s'est reposé dans un square et mon père a mangé parce qu'elle n'avait pas trop mangé avant. Moi j'en ai profité pour bosser un peu sur mon ordinateur.
Et le soir, on est allé manger évidemment des raviolis à l'eau, c'était très bon, ils étaient très jolis. Puis on a terminé la soirée au Starbucks, mon père c'était son premier Starbucks, c'était du thé. Hein. Et ça a été ça pendant tous ces jours-ci, il a tous les jours essayé de taper à discuter avec tout le monde. Il discutait avec n'importe qui. C'est mon père qui boit du Starbucks. Là en fait j'avais mon micro et lui tenait la caméra devant. Tu vois, moi mes mains elles sont occupées et je lui ai dit tiens ma caméra. Il était tout content, regarde. Bien vu qu'on était différents. Mais je pense qu'il comprenait pas ce que je faisais. Tiens ma caméra. Tiens ma caméra. Donc alors il sourit un peu. Quoi, du moins de nationalité, hein. Et quoi, non, je suis français. Donc, puis, bon, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, non, mon père est décédé il y a 3-4 ans. Et voilà. Mais il était gentil avec Diane. Pendant combien de temps on reste, il sourit. Vérifie nos passeports et tout. Moi, je trouvais ça un peu étrange, mais c'est assez parlant, je pense, de ce qui se passe. Il tient bien. En Chine, comme quoi ils essayent. Et en fait, je lui ai dit, viens, on tourne comme ça, parce que comme il a un fauteuil roulant, ça bouge, ça ne trompe pas trop. Regarde, voilà, de cheveux. Très bizarre. J'ai un rhinocéros. On est sur la place Tiananmen. Alors, petit déj à l'aéroport de Beijing. Oh, tous les légumes chinois. Le problème, c'est que je mange des trucs chinois, mais je sais jamais comment ça s'appelle. Bon, il y a des champignons. Oh, ça aussi, c'est trop bon, les brioches là. Ça, c'est. On t'emmènera en Chine un jour. Parce que c'est trop c'est bon. Parce que Taïwan, c'est connu. C'est trop bon. Ouais, c'est au Pékin. Taïwan, c'est connu pour quoi. Je sais pas, c'est quoi. C'est des baies de goji. Normalement, là. Ça, c'est la table. Oh, c'est trop bon ça. Hey, je les coupe. Ça c'est un Airbnb où on avait, où on était. C'est un peu comme un hôtel. C'était en 2013. En 2013. Ouais, c'est, en fait c'était un peu moins cher qu'un hôtel et en plus on avait plus d'espace. Et mon père il était content. Et il savait qu'il allait mourir. Bah ouais, parce qu'il était âgé. Après il savait pas qu'il a... quand est-ce qu'il allait mourir. Je sais pas si c'est la vie. C'est l'une des plus grosses tours. Tu vois la fenêtre là ? Du monde. On retrouvera au ciel. Là, c'est la tour où on était là, quoi, où j'étais dans l'ascenseur. À confirmer. Donc. Voilà, donc on a réservé ça avec Airbnb. Moi, je dormais sur le canapé, je crois. On a un frigo. Alors, ça, c'est l'avantage. Frigo. En Chine, ils ont des. La plupart des machines à laver, c'est comme ça, c'est vers le haut. Ouais. C'est moi. Adidas. Ça, je comprenais rien, c'était écrit en chinois. Ah, je crois que c'est chaud, froid. Ah, et voilà, 66 euros la nuit. C'est bien moins cher qu'un hôtel. Je crois que c'est super. Voilà. Allez, en bonus, j'ai d'autres vidéos. Est-ce que t'as mis en photo? C'est une vidéo. Trop mignon. Vas-y, remonte. Oh, in love. I'm in love. Qu'est-ce que tu chantes? C'est Diane avec son tour de chinois où il était sur scène et il devait chanter un poème, quoi, réciter un poème. Et Diane, il avait une super technique. Tu veux pas qu'on regarde? J'enlève, on regarde l'avion. On regarde l'avion, vous saurez jamais. Allez, on regarde l'avion encore. On écoute ce que tu dis. Est-ce que t'as mis en photo? C'est une vidéo. Non, je m'en souviens. Vas-y, remonte. Je te parle de la vidéo.
Oh, love. Love, love. Love, love. C'est une musique que j'avais écoutée. Attends. Alors, c'était bien hein, cette session vidéo? Oui. T'avais honte, tu voulais pas te montrer sur scène? Ben non. C'est pas grave, je trouve que c'est drôle. C'est trop mignon quand t'étais petite, t'as vu? Je t'amenais tous les mercredis, j'essayais de te sortir et de faire des sorties avec toi. C'était, ouais, c'était mignon. Ok, tu veux dire un truc par rapport à tout ce qu'on a vu? C'était bien, on a passé de bons moments quand on était enfant, adulte. Voilà. Ok. Bon, bah, au revoir alors. Rien d'autre à ajouter? Non. Je connais pas. C'était Gangnam Style? Oui, je crois. Gangnam Style. Ciao. C'est une vidéo. Vas-y, remonte. Oh, love. Love, love.